Cette révolution est insolite. Le passé ne connaît pas d'exemple d'un mouvement qui, sans programme ni direction, part d'une grande confusion pour arriver vers une conscience de revendication. Il y avait des individus qui réfléchissaient sur les conditions de plus en plus précaires de leur existence quotidienne. Il y avait une intelligence des êtres et un refus du sort indigne qui leur était fait. On note ici, au moins pour le moment, l'absence de chefs et de représentants attitrés, ce qui embarrasse bien le pouvoir. Par quel bout saisir cette nébuleuse en mouvement? On observe çà et là que des individus, habituellement noyés dans la masse, discutent entre eux, font preuve d'un humour créatif, d'initiative et d'ingéniosité. C'est bien à une renaissance de la poésie faite par tous que nous assistons, à mesure que s'effondre une civilisation où la nécessité de travailler condamne à une misérable survie. La grande vague insurrectionnelle qui nous agite ne se soucie ni de victoire ni de défaite. Notre objectif principal, c'est une pure dépense d'énergie, de désir et de revendication.